Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV, nouvelle édition du rendez-vous de l'écho et Jacques Coulon est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant aujourd'hui de la société DBD Nettoyage et Distribution. Présentez-nous un petit peu en détail quand même votre société aujourd'hui. C'est une entreprise qui a 35 ans et qui aujourd'hui a 35 salariés. Très bien. C'est une entreprise qui a connu deux mutations parce qu'il fallait s'adapter au marché. Première mutation de commerce de détail, on est passé à commerce de négoce. Et puis à la demande des clients ensuite, de commerce de négoce, on est passé à prestataire de services, qui maintenant a pris presque l'intégralité du chiffre d'affaires, puisque nous faisons 90% en prestation de services. Voilà. Ça, c'est intéressant, c'est assez particulier. Vous n'y avez pas forcément pensé à la base de devenir comme ça, société de service de nettoyage. Ce sont les clients Non. vraiment qui vous l'ont demandé. Oui, d'abord, ce sont les clients qui l'ont demandé. Et puis après, il y a le marché qui l'exige aussi, puisqu'il faut s'adapter. Le commerce de détail, parce que la grande distribution a fait que j'ai dû trouver une première mutation. Puis ensuite, les clients m'ont demandé une deuxième mutation, une opportunité qui s'est permis, qui s'est présentée, et puis donc une diversification d'activité. En fait, les clients appréciaient la façon dont je leur faisais la distribution, qui pour moi n'est pas simplement que de vendre des articles, mais qui derrière ça, il y a une notion de service. Parce que vous prenez un stylo, n'importe qui, vous, moi, on peut le vendre. Mais c'est le service que vous apportez ou que je vais apporter au client qui fera la différence vis-à-vis du client. C'est une valeur ajoutée, oui. C'est la valeur ajoutée. Et donc, les clients souhaitaient à ce que je fasse une prestation de service de nettoyage. Et même aujourd'hui, nous avons même diversifié, puisqu'à nouveau, un client, depuis quelques années, nous a demandé de faire de la prestation d'accueil. Et alors, cette mutation, elle est facile à faire? Elle s'est passée en douceur? Comment ça s'est passé? Jamais rien n'est facile, mais c'est toujours une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Les clients aujourd'hui de la société, donc DBD, tout simplement, ce sont des particuliers, des entreprises, c'est Des particulier. entreprises, des gestionnaires d'immeubles. Nous faisons surtout du nettoyage de parties communes d'immeubles de bureaux et de parties communes d'immeubles d'habitation, et puis des entreprises. Alors, au niveau du marché, concurrentiel ou pas, ces services de nettoyage, comment on arrive comme ça Ah, dans un. aujourd'hui, comme chacun sait, malheureusement, nous sommes dans une période de crise et automatiquement, les budgets se resserrent à tous les niveaux. Et automatiquement, les clients ont tendance à moins considérer la propreté comme une valeur ajoutée à leur entreprise ou à leur bien immobilier. Donc, ils ont tendance à minimiser le nettoyage, donc d'acheter plutôt un prix qu'une prestation. Parallèlement, il y a des entreprises qui, elles, soit parce qu'elles ont véritablement besoin de trouver des marchés ou dans une situation difficile, je n'en sais rien, mais proposent des prix qui ne sont plus crédibles. Et donc automatiquement, ça joue sur la crédibilité des entreprises, ça joue sur la fragilité des entreprises, ça joue sur les conditions de travail des salariés, donc certaines dévalorisations ainsi de la Oui, bien fonction. sûr. Et donc c'est négatif dans ce sens. Nous, à DBD, nous avons pris la décision de ne pas vouloir faire une concurrence à coûte que coûte à des propositions qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas raisonnables. Notre choix, c'est plus de dire, on va essayer de trouver une bonne adéquation entre les possibilités du client, les attentes du client et les prestations qu'on va lui offrir. L'important, c'est qu'il ait l'assurance en permanence que ce que l'on va lui proposer, ce sera réalisé au niveau que ça lui est proposé. Et s'il faut faire preuve de souplesse, parce que chaque client peut avoir des difficultés passagères, nous ferons preuve de souplesse sous tous les moyens possibles. Et donc, c'est une notion de partenariat vis-à-vis du client. Et pour moi, l'important, c'est de gagner la confiance du client. Et surtout ne jamais la perdre. Il n'y a rien de plus vexant que de perdre la confiance d'un client. Alors pour le développement de votre société, 35 ans, 35 salariés, vous l'avez dit en préambule, c'est un objectif ou c'est une coïncidence de. Non, c'est une coïncidence, une Bien pure sûr. coïncidence. Mais. L'idée n'a jamais été de vouloir faire un développement outrancier, de prendre des parts de marché importantes. Personnellement, ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir une PME, de développer une PME et d'avoir autour de moi une équipe. Et de gérer cette notion d'équipe. L'humain est au cœur de ma réflexion par rapport à l'entreprise, et c'est là où je ressors toute ma satisfaction de chef d'entreprise. Ça, c'est une démarche, des objectifs très importants pour vous, voilà, de valoriser aussi les salariés au sein de l'entreprise. Dans le métier du nettoyage, les employés de nettoyage sont souvent dévalorisés, ne sont pas pris à juste considération. On va prendre un exemple pour la retraite. Il n'est pas considéré, ce métier n'est pas considéré comme un métier pénible. C'est une erreur. Quand vous avez fait du nettoyage toute votre vie, j'aimerais autant vous assurer que les gens sont usés. C'est Bien sûr. anormal. Bon. Il faut respecter les salariés dans ce type de métier. Et il faut les valoriser quand on peut les valoriser. Ça commence par le respect de la personne. Ça commence par l'écoute et l'échange avec cette personne. Ça commence à l'insertion. Combien d'entreprises utilisent les systèmes d'insertion pour augmenter leur marge et en plus, ensuite, se libèrent de la personne qui est insérée? Chez nous, l'insertion,
a pour but que derrière il y a un CDI. Ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, puisque toute personne n'arrive pas forcément à s'insérer, mais quand une personne s'insère, on la garde. La société est toujours en recrutement encore aujourd'hui ? C'est régulier. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Je vous dis, on ne cherche pas systématiquement à développer, à développer, à développer. Mais pour nous, l'important, par exemple, c'est qu'un employé qui rentre chez nous, il atteigne rapidement un temps plein. Pourquoi un temps plein ? Parce que les salaires ne sont déjà pas énormes. Si en plus les gens ne bénéficient pas d'un salaire complet, ça n'est pas valable. Pour la personne, c'est aussi une stabilité en termes d'emploi. Et donc, c'est aussi pour lui de s'assurer une certaine stabilité dans sa vie personnelle et familiale. Et ça, c'est très important, puisqu'à partir de là, il sera beaucoup mieux dans sa tête et dans son corps. Très bien. Alors, pour finir, juste une dernière question. Deux mutations depuis 35 ans. Est-ce qu'il y en a une troisième d'attendue ? L'avenir de l'entreprise, ça va passer par quoi ? On ne peut jamais prévoir l'avenir. Je ne suis pas devin. Mm-hmm. Et je suis ouvert à tout. Et pourquoi pas ? Alors, en fait, l'aventure, c'est toujours un challenge. C'est une aventure. Et je suis très heureux de la vivre depuis 35 ans et je continuerai à la vivre. D'étendre peut-être dans la région ou pas forcément ? Pas forcément. Non, je la vis plus comme une aventure. Très bien, merci Jacques Coulon d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le dirigeant de la société DBD Nettoyage. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, restez avec nous. L'info continue sur Grand Lille TV.